Les amis, pour cette nouvelle quête, on va devoir aller faire une émote, donc aller danser à un emplacement bien spécifique. On a le choix entre trois emplacements et je vais vous montrer exactement où il faudra aller. Mais avant, les amis, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de tutos, de news qui sont disponibles et qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne YouTube. Le temps que la chaîne principale revienne, tout se passera ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez aussi en description ma chaîne Twitch. On en live pratiquement tous les soirs. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en suivant la chaîne Twitch qui est en déception. On fait énormément de choses et surtout également, on joue ensemble, les game viewers se passent également sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre en la suivant. Pour cette quête, tout d'abord, avant d'aller sur la zone où on va devoir faire une émote, on va devoir aller récupérer en fait du chrome. Alors comme vous l'ai dit, n'allez pas forcément sur le sanctuaire, allez-y directement par exemple à l'arbre de réalité, ou par exemple voilà, ici on a trouvé directement un aspergeur de chrome et ça nous permettra donc en fait de faire notre danse en étant chromé, et ça nous permettra surtout d'être plus proche des zones. Donc moi je vous conseille vraiment, allez-y du côté de l'arbre de réalité et ensuite on va pouvoir se retrouver vers la zone où on va donc pouvoir aller faire une émote. Donc la cabane de Willow est juste à côté, donc c'est celle-ci où on va se diriger directement pour aller faire cette fameuse danse plus rapidement en étant chromé, bien évidemment, c'est tout le but de la quête. Donc là on va se diriger vers la cabane, regardez, elle est juste en face de nous, et comme je dis voilà, vraiment on est vraiment très proche de l'arbre de réalité et du chrome qui s'y trouve également. Donc là regardez, on a hop là le chrome directement. Donc là on se chrome, au moins on va plus vite également, on fait ci, donc là on est chromé et on va faire une émote directement en étant chromé. Donc vous avez le choix pour faire cette émote là, donc là la quête est maintenant réalisée. Vous avez le choix de faire cette émote en étant chromé, cette danse en étant chromé du côté de Grim Gable. Donc vous avez Grim Gable ici, vous avez ici la cabane de Willow et vous avez aussi non le repère de Willow, donc ici la cabane de Noi plutôt. Donc voilà, vous avez le choix entre ces trois zones à faire une émote une seule fois en étant chromé à des différents emplacements pour ainsi donc réaliser la quête. Les amis, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, également à vous abonner pour suivre tout ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news, énormément de choses en préparation vont arriver sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne. Vous avez aussi en description ma chaîne Twitch, mon compte Twitter, mon compte TikTok, c'est pas aller suivre tout ça, n'hésitez pas pour me soutenir un maximum. On en live pratiquement tous les soirs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch, bien évidemment. Vous avez aussi mon code créateur, n'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir, mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle pass, nouveaux skins, nouveaux battle pass. N'hésitez pas à acheter tout ça en boutique, en tout cas avec le code créateur Archie, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup à des personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code créateur Archie pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci beaucoup pour ça. J'espère que ça t'aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.